Yo les potes, c'est une nouvelle boutique du 16 avril 2021. Je viens de rentrer donc c'est normal que je suis en retard. Parce que maintenant je suis plus en vacances, je vais plus faire les boutiques à 2h du mat. Alors on a le pack Horizon Zero Dawn. Donc vous devez peut-être connaître ce jeu. Je vous avoue que moi je connaissais juste de nom. Avec le skin Aloy, honnêtement très moche. Il est pas mal, la tête est pas mal. Mais en fait déjà regardez, c'est quoi tous ces cheveux? Les cheveux ils font le double de la tête. Le skin est beaucoup trop gros et les skins gros, on n'aime pas. Le sac à dos, franchement, ça va. Il n'est pas très gros, franchement, pas mal. Ensuite, la pioche, ça par contre, c'est bien. Je ne sais pas comment on tape avec, on verra. Mais elle est très stylée. Le planeur. Le planeur, il est un peu gros, mais j'aime bien le style. Le revêtement, quand on déclenche, il se passe quoi? Oh! Franchement, pas mal. Franchement, pas mal. Cœur Horizon. Ok, j'aime bien. Et un petit écran de chargement en bonus. Dans les packs, ils aiment bien rajouter des petits écrans de chargement. Parce que c'est en bonus et ça mange pas de pain. Bon, j'ai beaucoup parlé là. Ça fait déjà 1 minute de vidéo. On continue assez vite avec Terreur Sombre près de 1200. La pioche foudre rageuse. Le petit planeur qui est toujours autant stylé. Le pack, je sais pas c'est quoi le pack. Équipe étincelante, je crois. En bas, on a le petit signe bestiaux qui revient tout le temps alors que je l'ai et il est ultra moche. Ça aurait été bien qu'il soit rare. Le skin chroma au prix de 1400, 200, pardon. Le petit revêtement bleuvage, un des plus beaux revêtements de Fortnite, mais qui est malheureusement trop cher. La petite danse déréglée au prix de 500. Une bonne suée. Et pour finir, à vos marques au prix de 200 V-Bucks. Du coup, c'est tout pour cette boutique. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et pensez au code créateur NCU dans la boutique Fortnite. Ciao!